Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? C'est bien monsieur Josué? Oui, c'est bien moi. Vous êtes là pour le poste? Si, si. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi cette couleur de cheveux? Ah, monsieur, c'est pour vous faire gagner du temps. Au cas où vous me posez la question, quelle est ma couleur préférée? C'est le jaune. On gagne du temps, quoi, vous voyez. Très bien. Parlez-moi alors de vous, monsieur. De faire quoi? Parlez-moi de vous. De vous parler de moi? Mais excusez-moi, vous n'avez pas de vie privée? Comment ça je vais vous parler de moi? Je ne comprends pas. Est-ce que sur le rendez-vous, c'est écrit venu pour faire connaissance? Hein? Moi, je suis pas là pour raconter ma vie privée. Allons directement au fait. Très bien. Et qu'est-ce que vous savez alors de notre entreprise? Je sais que vous êtes à la recherche d'un employé. Et? Aïe. Non, mais c'est que vous recherchez un employé, je suis là. Très bien. Pourquoi avoir alors choisi notre entreprise? C'est pas pour vous jeter des fleurs, hein. Mais j'ai envoyé plus de 200 CV et lettres de motivation. Vous étiez la seule entreprise qui m'a accepté. 200 CV et lettres de motivation et c'est une seule qui accepte. Des fois même personne n'accepte. Je sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Sinon je vous ai pas choisi, hein. C'est la honte. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous... Quel est votre job de rêve, monsieur? Quel est finalement votre job de rêve? Ah, mon job de rêve, en vérité, c'est dormir. Mais vu que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de pouvoir rémunérer ça, je suis obligé d'être devant vous, en train de vous parler. Sinon, je suis sur mon lit, en train de dormir et payer à la fin du mois. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre entreprise, monsieur? Monsieur, je dirais... Moi? Vous êtes à la recherche d'un nouvel employé. Je suis devant vous. Donc ça veut dire que si vous me prenez, je serai un nouvel employé dans votre entreprise. C'est un plus pour votre entreprise. C'est ce que je peux apporter de plus. Très bien, très bien. En quoi le poste vous intéresse-t-il, monsieur? Bon, ce poste m'intéresse parce que j'ai terminé mes études depuis 7 mois. Je suis à la recherche de travail. Vous voyez, je n'ai pas encore trouvé. Donc vu que vous avez fait l'offre et c'est vous la seule entreprise qui m'a accepté, même si le poste est de servir le café, je vais accepter. Qu'est-ce que vous pouvez croire que vous pouvez réussir à ce poste, monsieur? Les compétences que vous avez demandées dans l'offre d'emploi là. Mmh. C'est ça qui est écrit noir sur blanc sur mon CV. Donc ça veut dire que je suis capable de réussir dedans. Mmh. D'accord. Et le leadership, c'est important pour nous. Pensez-vous être un leader? Et cette question-là, on ne me pose plus ça. Je suis un leader. Un leader professionnel. Monsieur, je suis le fils aîné de mon papa. Grand frère de 8 petits frères et sœurs. Discipliné des frères et sœurs qui suivent mon exemple. Je suis un leader pour eux. Attendez, j'ai été responsable de classe au cours primaire. J'écrivais les noms des bavards. Donc ce qui veut dire que par où mon regard passe et trépasse, personne ne parle. Ça impose le respect, la discipline, donc l'exemple à suivre. Je suis un leader dans tout ce que je fais. Très bien, monsieur. Dites-moi, qu'avez-vous appris de vos erreurs passées? Ah, j'ai appris que dans la vie, il n'y a pas de race. La vie n'est pas facile. Il faut toujours aller droit au but. Et monsieur, je ne donnerai plus jamais de nouveau ma virginité à une femme. Quoi? Ah, c'est ça. C'est plus compliqué. Jamais de nouveau ma virginité à une femme. C'est fini. Jesus, you love me too much. D'accord. Vous savez que notre poste, c'est un poste à pression. C'est ça. Est-ce que vous pouvez travailler sous la pression? Ah, monsieur, moi, étant béninois, marié à une gabonaise pour nous. Monsieur, vous ne pouvez pas imaginer la pression que ça fait de travailler sur ma femme jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Oui, je dois lui montrer à quel point les béninois sont bons au lit. Oui, oui. Donc je travaille sous pression sur ma femme pour réussir à la satisfaire. Donc ça veut dire que je sais travailler sous pression. Et quel que soit le devoir que vous devez me donner ici dans cette entreprise, je vais toujours bien travailler jusqu'à satisfaction. Comment je le vois alors la critique, monsieur? Ah, la critique, hein. Bon, je sais pas pour vous comment ça se passe ici dans votre entreprise, hein. Mais sur Facebook, généralement, on bloque. WhatsApp, bloqué. Instagram, bloqué. Messenger, bloqué. Téléphone numéro, bloqué. Bloqué, 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 bloqué. C'est comme ça. Très bien, monsieur. Merci beaucoup d'être passé. Vous pouvez partir. On va vous rappeler. Vous allez me rappeler. Mais je suis déjà en face de vous. Pourquoi vous allez me rappeler? Oui, le temps de réfléchir, de digérer tout ça, là. Oui. Et comme ça, on va vous appeler pour vous dire si vous avez été pris ou pas. Si j'ai été pris ou pas. Oui, donc, dans tout ce que je viens de dire, il y a encore si j'ai été pris ou pas. Est-ce que c'est votre temps qui m'a déposé en bas de l'entreprise? Vous savez l'argent que j'ai pris pour me déplacer de chez moi et venir vous voir? Est-ce que c'est l'entreprise qui va me rembourser ça? Le temps que j'ai perdu ici à parler, je pouvais être en train de dormir. C'est de l'énergie gaspillée. Et dans tout ça, là, il y a encore si. C'est là où vous ne respectez personne, ça. Vous êtes la seule entreprise qui m'a accepté. Et dans tout ça, là, il y a encore si. Donnez-moi la clé tranquillement et je vais travailler. Et débrouillez-vous. Je veux porter un massin, une table avec de la boisson et du café. Et une dame qui viendra me masser à chaque pause. Vous voyez? Et vous n'avez même pas discuté de combien je vais toucher à la fin du mois. Je veux respectivement 15 000 euros chaque mois. Donnez-moi la clé, moi, je vais quitter ici. Sinon, je vais tout casser ici. Ça veut dire quoi, ça? Si vous êtes pris, on va vous recontacter.
C'est quel comportement ça? Sécurité!